de Monsieur le Président de la République, le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier l'accord cadre amendé en création de l'Alliance scolaire internationale ASI, signé le 2 octobre 2020 à Yaoundé. Ce projet de loi a été enregistré sous le numéro 181 du PIL, du SRE, du BNL. Il sera distribué sous le numéro 181 du PIL, du SRE, du BNL. La conférence des présidents, après examen, s'est prononcée favorablement sur sa recevabilité et a décidé, conformément aux dispositions de notre règlement intérieur, de l'attribuer à la commission des affaires étrangères. Il sera présenté et défendu par le ministre de l'Eau et de l'Énergie, assisté pour la circonstance par le ministre des Relations extérieures. J'ai reçu de M. le Président de la République le projet de loi autorisant le Président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à la Convention de Budapest sur la cybercriminalité adoptée le 23 novembre 2001 à Budapest. Le projet de loi a été enregistré sous le numéro 182-PIL-SEN-2L et sera distribué sous le numéro 182-PIL-SEN-2L. La conférence des présidents, après examen, s'est prononcée favorablement sur sa recevabilité. Il a décidé, conformément aux dispositions de notre règlement intérieur, de collaborer à la commission des affaires étrangères. Il sera présenté et défendu par le ministre des Postes et des Télécommunications, assisté pour la circonstance par le ministre des Relations extérieures. En trois, j'ai reçu de M. le Président de la République le projet de loi autorisant le Président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à l'accord portant création de l'institution de la mutuelle panafricaine de gestion des risques ARC, adopté le 3 novembre 2012 à Pretoria. Le projet de loi a été enregistré sous le numéro 183 par PGN, par SN, par DLM et sera distribué sous le numéro 183 par P, par SN, par DLM. La conférence des présidents, après examen, s'est prononcée favorablement sur la recevabilité de ce projet et a décidé, conformément aux dispositions de notre règlement intérieur, de l'attribuer à la commission des affaires étrangères. Il sera présenté et défendu par le ministre des Finances, assisté pour la circonstance par le ministre des Relations extérieures. J'ai reçu de M. le Président de la République le projet de loi de ratification, portant ratification de l'ordonnance numéro 2021-04 du 29 décembre 2021, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2020, de la loi 2020 du 17 décembre 2020. Pourtant, loi de finances, la République du Cameroun pour les
a été enregistré sous le numéro 185, /PJL, /SN, /BZN, et sera distribué sous le numéro 185, /P, /SN, /BZN. La conférence des présidents, après examen, s'est prononcée favorablement sur sa recevabilité et a décidé, conformément aux dispositions de notre règlement intérieur, l'attribuer à la commission des finances et du budget. Il sera présenté et défendu par le ministre des finances. 5. J'ai reçu de M. le Président de la République le projet de loi autorisant le Président de la République à ratifier le statut de l'Organisation de la coopération islamique pour la sécurité alimentaire, OISA, projet adopté le 11 décembre 2013 à Conakry, en République de Guinée. Le projet de loi a été enregistré sous le numéro 186/PJL/SN/BZN et sera distribué sous le numéro 186/P/SN/BZN. La conférence des présidents, après examen, s'est prononcée favorablement sur la recevabilité du projet et a décidé, conformément aux dispositions de l'ordre de loi intérieure, de l'attribuer à la commission des affaires étrangères. Il sera présenté et défendu par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, assisté pour la circonstance par le ministre des Relations extérieures. J'ai reçu de M. le Président de la République le projet de loi régissant le secret bancaire au Cameroun. Le projet de loi a été enregistré sous le 187/PJL/SN/BZN et sera distribué sous le 187/PJL/SN/BZN. La parole du président, après examen, est prononcée favorablement sur la recevabilité. Oui, et a décidé, conformément aux dispositions de notre règlement intérieur, de l'attribuer à la commission des finances et du budget. Il sera présenté et défendu par le ministre des finances. Bien reçu de M. le président de la République. Le projet de loi portant protection du patrimoine routier national. Ce projet de loi a été enregistré sous le numéro 188/PJL/BZN et distribué sous le numéro 188/P/SN/BZN. Approuvant le président, après examen, s'est prononcé favorablement sur sa recevabilité et a décidé, conformément aux dispositions de notre règlement intérieur, d'attribuer à la commission des affaires